Salut, c'est le chasseur du dimanche. La pêche. 2, 3, 4. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. Si je vous dis la chanson du dimanche. Ah ouais, je connais. Ouais. J'adore ça. Oui, c'est pas deux mecs là sur un... C'est pas deux mecs avec une guitare genre québécois. Oui, je vois tout à fait, ouais. Salut, c'est la chasseur du dimanche. On pêche. 1, 2, 3, 4. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Alors le concept est simple, c'est une chanson tous les dimanches en vidéo sur internet. Salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche. 2, 3, hey. Cash money money money, cash cash money money. Quand tu claques dans tes doigts. Cash money money money, cash cash money money. Tout le monde danse avec toi. Hey. Effectivement, il y a un public qui nous a quand même porté puisqu'ils nous ont encouragés à continuer chaque dimanche. Plein de mails, plein de messages, il y a une mise en avant sur internet. C'est deux mecs qui se filment, qui publient tous les. Qui me diffusent sur le net une fois par semaine, le dimanche, une chanson. C'est deux mecs d'une école d'ingé, de télécom. C'est deux jeunes hommes qui font une chanson tous les dimanches, un peu de parodie. On a commencé par être ingénieur télécom à la Défense. Alors comment de l'école de télécom on arrive à faire de la zik comme ça? Eh bien, en se disant, bah non, j'ai pas envie d'être ingénieur télécom. En fait, salut. J'ai plutôt envie de faire de la musique. Salut, c'est la chanson du dimanche. C'est parti. Allez, à pêche. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de chanson? En fait, ils chantent bien, ils jouent bien de la guitare et les paroles sont sympas. Il y a le second degré, il y a un tout. Et puis, je pense quand même que ce sont des chansons qui peuvent être chantées. Et ça, c'est plutôt sympa pour les chansons. Ah oui, il y a Nicolas et Rachida, faut que ça me revienne. Alors, donc c'est serre-moi dans tes bras, Nicolas, Rachida, j'ai besoin de toi, Nicolas, c'est ça? Rachida, serre-moi contre ça, toi, Nicolas, j'ai besoin de toi. Il y a le côté actu qui est venu, qui a contribué au buzz. C'est vrai que ça plaît. La chanson fraîche qui reprend un petit peu l'actualité de la semaine, un petit bilan de la semaine. Ouais, j'ai bien aimé, il y avait une chanson sur les sans-papiers, je sais plus, plutôt sympa. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours rentré avec l'actualité. Donc, voilà. Et puis effectivement, après, les professionnels sont venus et nous permettent maintenant de faire un album, de sortir un DVD, de faire des concerts, une vraie tournée, ce qu'on veut faire depuis très longtemps, puisque ça fait 7 ans maintenant qu'on fait de la musique ensemble. Mais nous on est là pour dire que t'as pas perdu ta bonne humeur, meurt, t'as pas perdu ta bonne humeur, meurt, toujours le roi des déconneurs, meurt. On a dû me transférer la vidéo une autre fois. Au boulot? Non, sur Facebook. Par bouche à oreille. C'est un copain qui me l'a envoyé. Au boulot? Ouais. Il vous l'a envoyé au bureau? Ouais. Et vous avez regardé ça au bureau? Non. Il y a d'autres aéroles qui bloquent. Mais elle est géniale. J'adore ça, c'est trop bien. La chanson du dimanche.fr, c'était La pêche. La pêche. La pêche. Faire ton fromage. Mais depuis t'as perdu tes dents. Et depuis t'as perdu tes yeux. Et depuis t'as perdu ta femme. Et nous on est là pour dire que t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur, allez tous ensemble on tape dans les cases, bonne humeur.